人として、うん、西洋と随分あるんじゃないかという。いや、そうですね。日本人が今年で弱いというのは、それは国際的迷信の一種でございまして、私は全然そういうふうには考えていない。どうしてそういう国際的迷信が発生したか、そのオリジンを探すというのは、むしろ私ども文化人類学の課題だと思っております。それは完全に間違いでございます。日本人は個として弱い人間じゃございません。今ボルヘス先生おっしゃったと思う通り、その昔の日本人が強かったように、今日の日本人個人として非常に強いと私は考えております。De ma part, je ne pense pas que les Japonais sont... Ils sont très forts, hein. Et d'ailleurs, comme a été dit tout à l'heure M. Borges, nous sommes, comme individus, nous sommes forts, puissants, comme nos classiques tels Basho, Murasaki Shikibu, qui ont été nommés par M. Borges. Oui, c'était des individus et non pas des sociétés. これらの人たちはあくまでも個人であって、一つのそのソシエテ、まあ教会組織でもないし機関でもございません。La publicité industrielle japonaise, quand même en Occident et en Europe, marque peut-être trop quelque chose autour du groupe, de la collectivité.Ou de l'équipe, et c'est ce que j'ai remarqué ici en venant à Tokyo, que c'est ce qui me frappait surtout, c'était l'individu et non pas le groupe en tant que tel. Alors je me suis toujours demandé pourquoi les industries japonaises insistent tellement sur une présentation de groupe et presque anonyme, non? Et chaque fois qu'ils négocient ou qu'ils font de la publicité en Europe ou en Amérique.という面はあります。集団が強いというか、組織は私は昔から見ておりまして、組織づくり、組織の運営ということについては日本人は天才的にうまいんだと信じております。しかしそれは個人が弱いということと全然別の問題だということですね。Il est vrai que les Japonais sont forts en organisation, c'est-à-dire, je penserais que le peuple japonais est un génie organisateur, mais ça ne veut pas dire, par contre, que les Japonais sont faibles en tant qu'individus. Ce n'est pas contradictoire, les deux choses. Je suis d'accord pleinement. まあ、今後日本とですね、諸外国との文化の交流、そういったものに関してお話したいと思うんですけど、いかがでしょう、長井野先生、その辺、これ今後日本と諸外国との関わり合いというのは、どういう形で発展していくんですか。Modalité d'échange culturel entre le Japon et l'étranger, enfin, les pays occidentaux ou autres. これから先のことを話すというのはとても難しいことですけれども、一つ象徴的な事件があるので、そのことについて話したいと思います。で、日本の東京の南3000キロのところで、今火山活動があって。島が生まれそうになっている。でもこれが本当の島になるかどうかわからないので、日本の政府は一生懸命島になったら日本領の宣言をしようと思って待ち構えて研究を観察を怠らないところです。3000年の日本というのは大体その火山のような非常に活躍して活動しているけれども、水面の上にはっきりとした形、島としての形を残すか残さないかまだわからないところだと思う。で、私は仕事として、一方では作家としてものを書いています。自分の無意識のものを、無意識にあるものを
想像して形あるものに意識的意識の上に乗せようとしてますし、別のところで毎日じゃないし1週間に1回ですけど、患者を見て精神的な病気の患者を見て、いるわけですけども、その仕事は沈黙に耳を貸すことです。私の患者さんたちはあまりよく喋ってくれません。どちらかというと表現ができない人であって沈黙に流れがちな人たち、その沈黙に耳を傾けながら、日本の一方では日本の経済的な繁栄と同時に、一方では沈黙した日本人のその民衆の心に耳を傾けていくと、結局のところ2つの可能性があると思います。日本は近代化の上で非常に西洋的なものを取り入れてきました。今日本が外国に売り出しているのはほとんど外国起源のものです。しかしそのために日本人がどれだけ日本人が日本人であるところのものですね、アイデンティティを失いかけている、あるいはそのアイデンティティをつかみに損ねて苦しんでいるか、そのところは沈黙に耳を貸して聞くほかはないわけです。それで私は2つの可能性がある。日本はこの時今もし沈黙に耳を傾けて日本人のアイデンティティの問題を捉え直そうとするならば、そうすれば島は出来上がるでしょうし、ここでアイデンティティをすっかり失ってしまえば、そうすれば日本ばかりでなく日本もそうであろうし、日本以外の国もそうであるかもしれないけれども、アイデンティティを持たないアンテルナショナルとも言えない一つの世界、ベルディ・リオネが嫌いなユニバースというようなものになってしまう、個性のないアイデンティティを持たない民族の集まりになってしまうのではないかと思います。日本がその最初の国になってしまわないことを祈っているわけです。ロボットを一番最初に大々的に取り入れたのは日本です。そして3000年目にの世界に日本に何が残ったかといったところで、日本人は残らずにロボット、日本製のロボットだけが残ったということにならないように祈るものです。donc il est difficile de parler de l'image d'un pays dans une perspective aussi vaste. Aussi vaste. C'est la brume en fumée. Oui. Mais je voudrais raconter tout d'abord une petite anecdote symbolique. C'est-à-dire, actuellement, il y a un volcan actif à 3000 km au sud de Tokyo. Mais d'après l'observation scientifique, on ne peut pas dire encore que c'est sa forme une île. Donc une île peut être sortir de ses activités volcaniques, mais on ne sait jamais. Mais déjà, la réaction du gouvernement japonais, c'est si ça devient une île, et le gouvernement est prêt à déclarer cette île comme territoire du Japon. Mais comme ça, pour parler de notre pays à pour cette trois des millénaires, oui. C'est comme pour parler de cette île qui n'est pas encore née. Alors, mais ceci dit, et je voudrais dire que moi, j'ai deux activités quotidiennes distinctes, c'est-à-dire en tant qu'écrivain, j'ai fait mes efforts quotidiens de faire quelque chose consciente à partir de la matière inconsciente, à partir de l'inconscient. Et d'autre part, j'exerce mon métier de docteur, de psychologue, une fois par semaine,
Et là, j'écoute la parole de mon malade, mais c'est à l'écoute du silence presque, parce que mon malade ne parle pas tellement. C'est-à-dire, il a difficulté de s'exprimer sans doute. Donc, ça se reflète. Il y a des gens qui souffrent beaucoup de cette perte. Alors, donc, notre avenir dépend de la possibilité de regagner notre identité ou bien de perdre à jamais notre identité. Alors, si on réussit à reprendre notre identité, ce sera comme une, ce sera pareil à la naissance de cette île dont je vous ai parlé. Donc, notre avenir sera lumineux. Mais si nous perdons à jamais notre identité, alors je crains que notre pays devienne. ジャンドサンテさんにお伺いしますけれども、日本人にその今後エネルギーがありましょうか、そういった乗り越えていくだけの日本人にエネルギーが終わりと思いでしょうか。Nada y nada, surtout au sujet de cette autour de ce problème d'identité. Est-ce que vous croyez que les Japonais sont assez ont assez de force pour atteindre pour regagner, pour reprendre son identité? Je ne peux que l'espérer, parce qu'il est difficile de répondre pour les Japonais et aussi de répondre en mon nom en ce qui concerne le Japon, puisque je ne le connais pas du tout. C'est la première fois que je viens à Tokyo. Donc je ne peux pas parler ni de l'avenir du Japon, de son passé, oui, parce que j'ai lu des livres. Et j'ai lu aussi de la littérature japonaise, mais en français. Par conséquent, je pense qu'elle n'est pas tout à fait japonaise, puisque je ne sais pas le japonais. Mais la question qui a été posée m'intéresse au plus haut point, c'est la question de l'identité, la question de la recherche d'identité. Je préfère perdre mon identité, mourir coréen. Ah oui, oui. Pas l'identité personnelle. Non, non, mais disons l'identité culturelle, l'identité du lieu. Non, du lieu pire encore, est... non. Pourquoi c'est moi, l'identité? Moi, je n'ai pas l'identité. Je ne suis pas pour l'universalisme abstrait. Je ne suis pas pour l'universalisme abstrait. Ce moi, qui... je suis pour ma mort personnelle. Puis après moi, le déluge. Non. J'espère mourir en paix. Puis après, l'histoire continuera avec ces terres, ces nations, ces traditions. C'est notre sort commun. Mais nous ne pouvons pas nous régler, régler nos rapports, nos rapports là-dessus. Mais si nous avons l'espérance de la mort, pourquoi ne pas s'en jouir? Pourquoi ne pas penser que nous serons abolis, anéantis? C'est une jouissance. Pourquoi continuer? Moi, j'ai 84 ans. Enfin, je suis fatigué de voir que c'est évidemment comme le reste du monde, non? Pas le reste du monde. Oui. Pour en revenir à la question posée, toujours cette question de l'identité, qui est difficile. L'identité des nations est peut-être aussi bête que l'identité des individus, non? L'identité des cultures aussi. Je n'en suis pas persuadé. Moi non plus, je ne suis sûr de rien. Il faut discuter. Je ne suis pas persuadé. Si est un jeu, il faut le rendre mieux. Voilà, alors. Jouons à la perte d'identité. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, nous allons moi, imaginer le jeu. Nous allons imaginer le jeu. Tenez un. Zéro. Nada y nada, oui. Voilà. On m'a dit, j'ai lu un livre dans lequel on disait qu'en japonais, il y avait un lieu de l'être et un lieu du néant. Alors, je suis dans le lieu, j'espère être bientôt au lieu du néant. Oui. Le mot. Mais si j'ai bien compris, le lieu du néant, c'est l'universalité abstraite. Alors nous sommes perdus. Alors l'abstraction sont très. Eh oui, alors nous serons cuits, comme on dit. Oui, évidemment. Hein? Oui, nous serons cuits. Je ne fais rien du tout. Oui. Vous non plus, peut-être. Voilà, oui. Mais à propos, justement, de René. De monsieur qui cause, qui s'amuse à causer. Tout ceci est un jeu, évidemment. Pas la table ronde du roi Arthur. Elle n'est pas ronde. Ah, mais les parents. Non, celle de Mernin l'était, oui. Non. Tout
Donc, non, non, moi, c'est de ce dont je rêverais, c'est au fond le Japon dont nous parlons. Je crois que c'est un Japon, enfin, dont nous parlons, non, je parle moi, c'est un Japon rêvé. C'est un Japon tout à fait symbolique, parce que nous ne le connaissons pas. Mais qu'est-ce que nous cherchons? Je me demande si, à vrai dire, nous ne cherchons pas à reconstituer la Méditerranée, malgré tout, si nous ne pensons pas à la reconstituer dans un autre lieu, autour du Pacifique. Un lieu où toutes les différences se combineraient. Un lieu dans lequel il y aurait à la fois identité et différence. Et dans lequel on pourrait jouer. C'est à Carthage et à Rouen, voilà. Les Égyptiens, la Grèce. C'est tellement différent. Oui, c'est très bien. C'est riche, bon, c'est varié. Est-ce que je crois jusque-là quand même? D'accord. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. D'accord. Et そのご質問ですけれども、私は今回初めて東京に参りましたし、はもう84歳で、自分が亡くなってしまうことは、自分が亡くなって歴史がまたそのまま進行していくことは大いにいいことではないか、無ということ、それからニルバーナという言葉もちょっとなんかおっしゃってるんですけれども、それから名田先生のお名前のナーダイナーダというのも決して悪くないのではないNothing and nothing というので決してその悪くないのではないかというふうなご意見が挟まりまして、で、まあそれをこうちょっとこうやり取りがありまして、結局その、まあ日本にはその存在の場というのと、それからエートルの場というのとネアン。Je voudrais vous donner le modeste point de vue d'un biologiste en m'excusant de faire des analogies entre la biologie et la sociologie. Les cellules des organismes vieillissent, et elles vieillissent en réprimant des gènes qui possèdent les facultés. Alors qu'une cellule jeune a tous les gènes, quand elle vieillit, elle réprime des gènes. Chose importante, elle peut redevenir jeune si on la marie, nous disons l'hybridiser, avec une cellule jeune, même embryonnaire. Eh bien, je crois que dans la sociologie macropolitique, la Méditerranée a fait son temps et l'Europe a abouti à une sénilité que nous ne pouvons pas cacher. L'Atlantique a à peine vieilli. Il a échoué avant de vieillir complètement. L'Afrique vient après, M. Borges. L'Afrique vient après, M. Borges. Il semble que, comme l'a dit Verdiglione, l'heure soit venue pour le Pacifique. Et que nous devions nous poser la question, est-ce que maintenant que la période de la Méditerranée est momentanément close, que la période de l'Atlantique doit être close pour l'intérêt de la survie du monde, est-ce que le Japon, auquel est destiné le sort du monde, c'est évident, va réussir? Il a déjà montré qu'il peut réussir technologiquement et économiquement. Je crois qu'il peut réussir dans le second domaine, qui est celui de la culture. Il peut réussir parce que, si nous regardons d'une façon très simple le cerveau humain, comme MacLean l'a fait, avec trois cerveaux, le cerveau reptilien qui conditionne la reproduction, qui assure par instinct la reproduction de l'espèce avec le sexe et le combat, le paléo-cerveau mammifère qui assure l'émotivité, l'affectivité, et le cortex, le néo-cerveau mammifère qui assure l'intellectualisme. Nous pouvons dire que les Occidentaux ont réprimé le cerveau reptilien, ils ne sont plus capables de se reproduire en France, nous sommes menacés démographiquement. Et nous avons également perdu le sens du combat. Nous cessons de combattre avant d'avoir combattu. Deuxièmement, en ce qui concerne le second cerveau,
nous avons perdu une grande part de notre émotivité et de notre affectivité, d'où la perte de la solidarité que nous voyons tous les jours. Et nous avons surdéveloppé, en le déréprimant excessivement, ce troisième cerveau de MacLean, qui est responsable de l'intellectualisme, de la logique, cette logique de Descartes qui a donné la place aux technocrates, comme nous disons en France, toujours avec mépris. Et nous avons inventé l'art abstrait, qui est l'art de ce cerveau, bien entendu. Et nous avons inventé le quantitatif. Il n'y a de science que quantitative, et nous ne soignons plus les malades casuistiquement, cas par cas, nous les soignons statistiquement. Après les avoir randomisés, comme nous disons d'un mot anglais, car nous ne parlons même plus français, c'est-à-dire tirer au sort entre deux traitements. Sexe qui n'est pas, comme Verdiglione l'a dit ce matin, le sexe occidental. Et ils ont surtout gardé le respect de la nature, grâce peut-être au shinto-animisme, dont il ne faut pas négliger le grand mérite. Et c'est probablement ce respect de la nature qui conditionne le respect de l'homme pour la femme, que nous ne trouvons plus en Occident, et surtout le respect de la femme pour l'homme, que nous avons complètement perdu maintenant en Occident. Nous nous demandons encore déjà pourquoi. Le respect, ce qui est plus important, des jeunes pour les vieux, que nous incarcérons en Europe dans des asiles de vieillards, comme nous incarcérons les déprimés dans des asiles de fous, qui ne sont pas fous, bien entendu, nous incarcérons. Vous n'incarcérez pas les vieux. Les vieux ont gardé votre respect. Les vieux comment? Et vous n'incarcérez pas les chefs. Le plus grand médecin du monde est le professeur Umao Umezawa, qui a guéri le riz japonais malade, qui a fait des antibiotiques contre les maladies infectieuses, qui a fait des médicaments contre les cellules cancéreuses, qui a fait des médicaments pour restaurer l'immunité, et qui est un des amis les plus fidèles et sincères que je puisse connaître. Il va bientôt être nommé docteur honoris causa de mon université de Paris Sud, et nous en sommes très fiers. Et je dois, dans un quart d'heure, aller faire une conférence dans son institut. Eh bien, on se demande quelquefois si le succès extraordinaire d'Umezawa ne tient pas dans le fait qu'il est le mandarin qui fait travailler des jeunes. Eh bien, il suffit de visiter son institut pour s'apercevoir que ça n'est pas vrai et que la politesse japonaise n'est qu'une tradition et un respect de la nature. Deuxièmement, quand il parle avec moi, je vois bien qu'il ne répète pas les hypothèses de ses collaborateurs, mais qu'il invente en parlant. Donc, lorsqu'on dit que le japonais copie, c'est évidemment une forme de mesquinerie occidentale. Le japonais ne copie pas, le japonais respecte. À partir du moment où il respecte quelque chose que portent les autres ou qu'ont créé les autres, il n'a pas de raison de ne pas l'adapter. Et lorsqu'il l'a adapté, il en a fait une hybridisation dont je disais que pour les cellules, elle était capable, un, de donner la vigueur hybride. Si vous mélangez une souris grand A et une souris grand AB est plus fort que grand A et que grand B. Et deuxièmement, elle peut rajeunir une vieille cellule. Et c'est ça que les Japonais ont eu l'extraordinaire génie de faire. Ils ont adopté le génie occidental, aussi petit soit-il, sans le mépriser, car ils respectent la nature, donc l'homme, et ils ont créé un nouveau Japon, qui est le Japon occidentaux-oriental.
Et nous n'avons même plus à nous demander si nous devons nous marier, nous hybrider avec les Japonais pour sauver le monde occidental. Nous avons simplement à remercier les Japonais de l'avoir fait sans nous le demander, car nous aurions discuté pendant des années entières, comme les Européens le font à Bruxelles. Les Anglais s'y seraient sûrement opposés pour garder les Malouines, n'est-ce pas ? Et nous devons simplement vous remercier de l'avoir fait pour nous. Et nous devons apprendre votre respect des autres, respecter le nouveau Japon, qui est en fait l'euro-Japon, l'euro-africano-Japon, et espérer que demain, l'homme trouvera peut-être une vérité plus proche de la sienne, et surtout le mieux vivre, qui est en fait la seule chose auquel le médecin voudrait que les hommes puissent atteindre.生き生きとした全ての遺伝子を生きているようなものが、新しい、例えば夫が新しい若いというだけでも新たにそこに生まれる、てくるものには、新たな、生き生きとした全ての遺伝子を生きているようなものが、新しい血が注ぎ込まれるように、力を回復するわけですけれども、そんなふうに考えたときに、マクロポリティックな視点から分析していますと、 例えば地中海というのはすでに老いた細胞でありましょう。それから大西洋というのは老化するまでに至らずに何かこうしぼんでしまったとも言えるかもしれません。その点というのはアフリカはどうなのかという質問が出てきたところです。そして太平洋が、まあ、明日からの Mais il y a des personnes qui peuvent se pourraient prévenir encore. Non, je dis que j'étais 16 fois avec celle-ci au Japon et à la première fois, je m'étais aperçu que le Japon n'était ni extrême-orient ni extrême-occident et qu'il y avait plutôt une sorte de division qui est, qui est le temps lui-même. Et alors, et le, justement, il y a eu Freud qui a posé la question juive à son époque en tant que question de la peste, question d'une logique particulière à chacun, question de l'inconscient. Il y a aujourd'hui la question japonaise qui n'est pas la question des Japonais, c'est la question de la deuxième renaissance. Je trouve que Tokyo, comme rendez-vous international, c'est la métaphore de cette deuxième renaissance. Il y a deux instances, l'instance de l'individu et l'instance du temps. Et justement, donc, au-delà de tout isolationnisme et au-delà de tout universalisme. Alors, et c'est pour ça que l'identité est toujours le leurre de la différence. Il s'agit de trouver dans une confrontation internationale une spécificité qui, à chaque fois, qualifie la différence et tout ça peut être fait justement dans l'internationalisme comme condition de l'invention et de l'art. À partir du Japon, il s'agit de réinventer l'Europe. Je ne pense pas que l'Europe est en déclin ou que l'Europe soit déclinée. Je dis plutôt qu'il faut encore, selon le geste de Colomb, atteindre le Japon allant à l'ouest. Et il faut encore
que le Japon puisse atteindre l'Europe allant à l'Est, ce qu'il a fait. Il s'agit donc d'aller au-delà de l'orientalisme et de l'occidentalisme, de ne pas prendre ces catégories comme des lieux. Il s'agit plutôt donc de notre temps, d'un temps de l'invention et de l'art. Lui, s'il ne parlait pas. Ah oui, oui, bien sûr. Non. Donc c'est... Il est obligé de parler. Mais c'est parfait. Signore, il n'y a pas d'horaire de notre congrès. Donc vous intervenez demain. Oui, demain. À 9h. À 9h, c'est le début. À 9h. C'est prévu dans la journée. C'est prévu dans la journée, votre intervention. Demain? Demain. À quelle heure? Parce que, comme j'ai expliqué ce matin, c'est établi au fur et à mesure, mais en principe, votre intervention, c'est le matin. Le matin? Bon. Ça commence 15 à minutes. À 9h. Oui, oui. Monsieur Negrani-Grasov. Oui. Je m'excuse maintenant, mais ça a débordé et ce n'est pas moi qui conduisais la réunion. Ça serait bien pour les écrire au propre, vous ne croyez pas? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Essayez de les avoir. Oui. Oui, allez, alors. Takeda. Demain matin, il y a le congrès. Monsieur Inoue, il parle demain matin. Monsieur Noël fait l'effort de venir, mais il n'est pas sûr. Parce que c'est très important, parce qu'il y a, les personnages top du congrès. C'est très important qu'il intervienne demain. Ça peut être aussi un autre moment, mais même 10 minutes. Lorsqu'il arrive, il parle tout de suite. Il reste sotto hanashi kareta. All right, yeah, I'll phone him, but I know his schedule is so tight. Yeah, but I'll phone him again. Okay. Monsieur Takeda téléphonera ce soir à Monsieur Zoe, il est venu, mais il n'est pas très sûr. Éventuellement. Okay. Formidable. La traduction. Il pensait à la traduction en espagnol, Dieu non. Alors, c'est pour ça qu'il il a dit que lui aussi n'était nada et nada. Alors, il a insisté sur ça, que c'était le néant. Alors, il disait aussi en italien, niente di niente. Oui. Mais c'est... Sauf que n'a pas pu parler, mais c'est bien passé, non? Mais Maté, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Incroyable. C'est le biologiste. C'est le gène. À ce soir à la réception. Oui, à ce soir. Ok, merci. Et j'amène le pain. Ah, parfait. Et votre fille? Oui, oui. Ok.
Jorge Luis Borges, el notable escritor argentino, está nuevamente en Japón, país por el que guarda gran afecto, invitado por la Fundación Armando Verdiglione. Armando Verdiglione, Quisiéramos que Tokio y Buenos Aires, ciudades En Tokio, un honor, señor Borges. Realmente un honor, señor Borges. Tenerlo nuevamente en Japón. Estamos muy agradecidos a usted, profesor Verdiglione. Guardamos alta estima por todos ustedes, señoras y señores, que se han acercado a este encuentro. Signore e signori, mesdames, messieurs, ringrazio tutti voi di essere qui a questo congresso, ringrazio in particolare Borges per aver accettato di venire e di parteciparvi e ringrazio in particolare ancora l'ambasciata di Argentina per aver organizzato questa serata e mi pare un onore per noi avere qui Borges ed è un omaggio che l'ambasciata di Argentina ha voluto rendere e altre cose avremo modo di dirle domani, in particolare domani mattina nel momento del congresso d'organiser cette réception avec une très grande générosité et je remercie notamment monsieur Borges pour être venu à ce congrès. Yes.
Sentí y siento ahora la extraña sensación de estar en un país totalmente civilizado. Muy raro eso. Siento la antigua cultura y la nueva cultura. Me siento muy feliz en Japón. Y espero explorarlo más. Pero conozco hasta siete ciudades acá. Me interesaron siempre el budismo, el Shinto, también. Es verdad que mi descubrimiento del Japón es tardío, he cumplido 84 años, pero seguiré descubriéndolo siempre con alegría y siempre con gratitud. La deuxième est, le petit Borges de 15 ans, qu'est-ce qu'il penserait de vous aujourd'hui? La réponse, eh bien. Cuando nosotros invitamos a usted a esa casa de Kobayashi, una casa japonesa, yo lo guía a usted hasta la casa. Y usted, en la mesa, usted habló sobre un cuento de santiagueño, de Paraguas. Yo cuento a los alumnos de español sobre su cuento de santiagueño. Sí. O sea, hubo una discusión entre los porteños y portugueses. Fuimos con un joven peruano que hoy está escribiendo. Que... ¿Así? ¿Así? Allá está Borges. Símbolo Congreso. Okay.